Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnées pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon Cid, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre, et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissaient bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick et Pic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafesse, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se voit l'année prochaine. All right, Max. Allô, hey. Tu t'en viens de plus en plus pimpant. Hein? C'est comme l'énergie du désespoir, je pense. Ouais, non, c'est ton 18e café aussi. Non, j'ai pas abusé. J'en ai pris plus que d'habitude, forcément, mais j'ai pas tant abusé. Non. T'as bu beaucoup d'eau houblonnée. Oui, mais j'ai bu beaucoup d'eau aussi. Je me suis quand même bien hydraté parce que, comme on dit, stay hydrate or die hydrate. Hein, ouais, fait que j'ai bu beaucoup d'eau. Mm-hmm. Et là, on entend notre 23e heure ouais. sur 24. Tout à fait. Avec est-ce qu'on remercie nos commanditaires? Non, tantôt. Non, non. Non, c'est pas vrai. Fatigué. Non, mais avec un groupe que je connais pas beaucoup, mais que j'ai hâte de découvrir. Oui. Ils ont l'air fort sympathiques. Oui. Ils viennent de Trois-Rivières. Hein? Oui. Donc, ce sont des Trifluviens. Trifluviens, oui, exact. Oui. C'est le groupe Fan. Fan. Allô! Bonjour, hello. Comment allez-vous, messieurs, dames? Ça va bien. Oui, bien. Oui, ben, merci beaucoup de cette belle présence, de votre participation à notre beau projet qui n'a aucun sens. D'être là de bonne heure comme ça. Oui. On avait essayé de timer les affaires pour de quoi de bien. Finalement, ça a chié un peu en pelle de votre bord pour le dodo. Ça, c'est un oui. peu plat. Oui, hein, mais... c'est les ouais, bon, des contretemps de l'émission. Ouais. Non, mais merci d'être là pour de vrai, de ça participer fait à cette idée folle. On commence tout le temps un peu de la même façon avec tout le monde. On vous laisse vous présenter le band, le projet, comme la genèse de ce band-là. Comment après ça, on vous bombarde de questions. On s'arrête. Puis, ouais, puis là, on délire parce que ça fait 23 heures qu'on est live. C'est ça. En fait, FAN, ça a commencé en 2017 environ. C'est un band que j'ai parti. C'est un band qui est né des cendres d'un ancien projet que j'ai eu dans le temps du cégep. Ça fait vraiment longtemps. Ça s'appelait Croque-Mitaine. C'est un band rock.
La musique ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant d'enfant. Il y a même certains petits riffs, si on veut, que j'ai recyclé un petit peu au début, les premières chansons, quand j'ai parti fan. Mais bon, ça diffère quand même là, au niveau des paroles là, dans ce temps-là. J'étais au cégep, tout ça, donc on s'entend, c'est pas le même niveau d'écriture, exactement. Fait que, mais c'est ça, c'est parti d'un ancien band que j'ai eu puis que j'avais le goût de recommencer ça. Puis j'ai contacté une amie à l'époque, Jessica, qui est partie avec moi à la basse. En fait, je suis le seul membre original de Fan maintenant. on a parti avec, c'est ça, Jessica, puis un batteur qui s'appelle Jack, en fait, qui est sur le premier EP. Sur le premier EP, c'est cette formation-là. Sur le deuxième EP, Alexandra est arrivée pour remplacer Jessica à la basse. C'était toujours Jack au drum. Puis maintenant, tout récemment, Nicolas s'est joint à nous pour remplacer Jack. Fait que c'est un petit peu l'histoire du band là, en deux minutes. Là. All right. Mais, c'est ouais. Comment que vous entendez parler un peu du band, vous autres, pour rejoindre aussi éventuellement? Ben, en fait, j'étais déjà dans l'entourage du band, en fait, parce qu'on a un autre projet ensemble, un side project, ça s'appelle Feu Futur Moi. Je chante puis je joue de la guitare là-dedans, puis on avait déjà ce projet-là, Yves puis moi, puis avec notre bassiste aussi. Puis ça a donné en fait que quand la bassiste Jessica est partie, ben là, il y avait un spot à combler, puis j'étais déjà dans l'entourage, puis tout ça, puis fait naturellement. T'as déjà joué ensemble un peu, puis ça allait jouer un peu, jouer un peu plus, hein? Ouais, exactement. Puis toi, Annie, comment t'es venue à joindre ce groupe? Ben, dans le fond, moi, l'année passée, je passais des annonces pour trouver des bands. Là. J'avais différentes idées dans la tête. Là. Je voulais me trouver un band corpo, je voulais me trouver un band de compo. Je voulais jouer de la musique. Là, tant que tu jouais de la musique, c'était ça, là. Ouais. J'avais mis bien des projets de côté, parce que j'étais assez actif dans d'autres domaines. Je faisais bien du bénévolat, tu sais, hockey, baseball, toutes ces affaires-là. Puis j'ai mis ça de côté, j'ai pris une pause de ça. Puis j'ai dit, moi, je fais de la musique pour la prochaine année. Là, je me consacre à la musique. Parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, mais tu sais, on and off là, avec les enfants et tout. Ouais. Les aléas de la vie, finalement. Le goût est revenu. Le goût est revenu de ça. Ah, le goût, tout le temps était là, mais ça donne pas. Puis. Mm-hmm. Vous savez, les musiciens, là, tu joues avec des gens, des fois, c'est plus ou moins fiable. Tu sais, ouais. Des fois, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ouais, trouver du monde sur la même longueur d'onde, avec la même passion, puis avec qui tu t'entends, puis qui ont le même goût musical. C'était beaucoup de petits facteurs qui peuvent faire que ça marche. Ouais, c'est vraiment ça. Mais l'année passée, dans le fond, j'avais un band, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, puis là, ça essaye de reprendre. C'est mon side project. Là, c'est un hommage à Muse que je fais avec des vieux chums. Mais pas de chanteurs, mais on trouve des chanteurs, ça fait pas, fait que ça fait pas aussi. Mais j'avais passé une annonce ça dans le coin du mois de décembre l'année passée, puis sur Musicien Trois-Rivières, je crois. Oui, absolument. Puis à un moment donné, au mois de janvier, je pense que c'est mi-janvier, je reçois un message. En 23, oui. OK, en 23. Décembre 23. Fait que là, je reçois un message en janvier de Yves qui m'envoie un message sur Messenger, puis il me dit « Hey, j'ai vu ton annonce sur Musicien de Trois-Rivières », puis là, j'étais comme « Laquelle annonce? » Parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'avais ouvert soit pour un band de compo, soit pour un band de cover ou corpo. Je voulais jouer de la musique. Fait que j'étais... T'avais shooté partout aussi. Ah oui, je voulais vraiment, puis... Pour vrai, j'ai pas eu tant de réponses que ça. C'est spécial. Tout le monde dit on cherche des drummers. Non, ça, je sais pas tant que ça parce que j'ai pas eu tant de réponses que ça. Puis, c'est ça. Fait que là, un message, là, on commence à jaser. Puis, on a jasé pas mal sur Messenger. Puis, maintenant, on échange un peu. Là, il m'envoie une toune. J'écoute ça. Je dis, hey, c'est nice. C'est vraiment nice. C'est vraiment dans mes cordes. Là, t'sais. Je suis capable de jouer ça, puis je peux avoir du fun à jouer ça. Fait que là, c'est ça. Ah, y a clairement du fun à jouer ça, pour de vrai. Au début, quand tu m'as envoyé l'email, j'étais comme, bon, c'est quoi ça? Je vais aller voir par curiosité, tu sais, qu'est-ce qu'on va recevoir. Puis je m'attendais pas à du rock quand même lourd comme ça. Mm-hmm. Putain, ça rentre au poche. Oh, tabarnak! OK! C'est sûr qu'avec le nom fan, ça peut avoir l'air de... J'étais comme, ça va être de quoi de... Juste, ben, j'avais pas de nom des chansons, puis là, t'écoutes, ouais. Je pense que c'est un petit peu le but aussi derrière le nom, puis notre approche un petit peu artistique, justement. Le titre des chansons, puis tout ça. Mm-hmm. Une espèce de... Ouais. Puis c'est de où vient un peu cette passion de cette musique-là, de rock-là?
moi, j'ai grandi avec la musique des années 90, Smashing Pumpkins, Nirvana, toute cette vague-là. Okay. J'ai eu une petite passe punk aussi à m'emmener là-dedans. C'est sûr que tout ça m'a influencé. On essaye quand même de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement un copier-coller de ça. Tu comprends? Mm-hmm. On ne veut pas faire un hommage à Nirvana, c'est normal, justement. Ouais. Mais quand même, je pense que notre inspiration se puise dans cette époque-là, dans toutes ces bandes-là. Puis, la montée du grunge. Ouais. Pour moi, c'est pas mal ce qui m'a donné le goût de jouer de la musique quand j'étais jeune, puis ce qui me donne encore le goût d'en faire, en fait. Là. Ben, même chose pour moi. Ben, dans le fond, ben, je suis un petit peu plus jeune que Yves, mais à l'adolescence, j'ai vraiment replongé dans le mouvement grunge, le rock des années 90 qui passait Musique Plus quand j'avais comme 4-5 ans. Là, j'écoutais ça, puis je testais pas ça, mais vraiment à l'adolescence, j'ai replongé là-dedans, puis c'est devenu vraiment une passion. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis à prendre des cours, puis tout ça. Là, j'ai autour de. À 14 ans, en fait. Là, OK, donc, quand même. Alex, c'est une excellente guitariste. En fait, elle parlait de son side project tantôt qu'on avait ensemble avant même qu'elle soit d'enfant. Puis elle était à la guitare dans ce band-là. Okay. À la guitare, puis elle chante. Puis c'est ça, quand elle a joint fin, ben là, c'est le poste qui était disponible. C'était à la base, elle fait la job. C'est fou, ça marche super bien. Un autre qui a dû redescendre. C'est un mot qu'on entend tellement souvent de « Ouais, j'étais guitariste, puis ben, je joue de la basse, là! » Exact. Ouais, ça fait que le besoin est Mais c'est un si bel instrument, tu sais, qui est facile à attaquer souvent comme ça, à cause de, justement, ça qu'on dirait qu'il n'y a jamais vraiment personne qui est comme « Je veux jouer de la basse », c'est comme son rare en esti, ces personnes-là. T'sais. Mais c'est cool à jouer. Ouais, oui, oui, c'est un bel instrument. Je voulais en jouer quand j'étais jeune. Mon père avait une basse, puis il s'en servait pas, fait qu'il me l'avait comme donné. Puis j'étais pas capable, mais je me suis rendu compte que j'étais gaucher. Ça change, ouais. Mes amis qui avaient un band voulaient me montrer, mais incapable de rien faire. Puis là, un moment donné, il y a un autre qui me dit, je sais pas pourquoi, je suis venu comme juste à apprendre l'autre côté. Chris, t'es gaucher. Puis ça a pris comme une couple de mois avant que je m'en rende compte. J'ai une base droitière, je tenais comme ça. Je dis, Chris, ça marche pas. Mais t'es gaucher, on est là, de côté. J'ai fait, asti. Là, c'était plus naturel. Ouais, c'est naturel. J'étais pas bon, mais c'était plus naturel. Ouais. Ouais. Alors, puis pour toi. Puis juste ton anecdote de bass. Là. Moi, perso, là, après chaque show, j'aimerais beaucoup ça, jouer de la bass. Ouais. Traîner tout mon gear. Là. Ça, c'est le bout de plate, là, de traîner le gear. Là. Ouais. C'est, ouais. Puis, tu sais, moi, je suis genre que je veux tout le temps jouer avec mon stock. Fait qu'à toutes les shows, c'est ça qu'on se parle. Là, tu prends le drum de l'autre band. Non, regarde, j'ai un bon kit, là, je veux traîner mon kit. Là, c'est... J'ai travaillé pour mon kit. Ah oui, c'est le plus beau que j'ai eu, c'est le plus cher que j'ai eu. Je vais m'en servir, je vais l'user à la corde. Vraiment... Je me suis gâté, je joue avec mon jouet. Ah, c'est vraiment ça. Là. Mais moi, je suis le plus vieux de la gang. Là. Je sais que ça paraît pas. Là, mais... Non, c'est vrai, on a 22 ans. Oui, 22 ans US. Non, ben moi, c'est ça. Je suis un petit peu plus vieux. Fait que mes influences ont commencé fin 80. Là. Dans le fond, la première cassette que j'ai eue, moi, de mon nom, c'était Motley Crue. OK. Donne une idée. Monte le groove à soir. Pour vrai, je m'en vais voir à soir, là, mais c'est juste pour rire d'eux autres parce qu'ils sont rendus tellement mauvais. Ah oui, c'est épouvantable. J'aime encore ça. Ils auraient dû rester morts, eux autres. Puis après ça, ben c'est ça. Oui, ils auraient dû rester morts. Après The Dirt, ils auraient pu rester morts. Mais après ça, ça a évolué. Tu sais, j'ai continué à écouter un petit peu de glam, puis à un moment donné, j'ai fait comme, ouais, tu sais, il y a d'autres choses. Là. Fait que j'ai commencé à piger dans le métal, tu sais, Metallica, Slayer, ces affaires-là. Mais là, le drum, j'avais pas commencé encore. Puis, secondaire 5, à peu près, j'ai commencé le drum, puis là, mes chums, hey, on se part un hommage à Metallica. Tu veux-tu faire le drum? Je sais pas jouer, là. Fait que, ça partait vraiment de loin, là. Fait que, pas lui non plus. J'ai commencé, j'essaye, puis ça marchait juste pas. Là, tu commences, faut t'apprendre à être indépendant des deux mains, indépendant avec les pieds, là, ça marchait pas. Puis là, pendant ce temps-là, il y avait Nirvana qui est arrivé. Puis je connaissais pas Nirvana, c'est une amie qui m'avait fait écouter ça dans le bus pour aller à l'école. Puis elle dit, écoute ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, Smell Like Teen Spirit. J'écoute ça, je fais comme, fuck, c'est ça que je vais jouer. Là. Fait que, ça shiftait avec Nirvana. Puis là, c'était jouable, là, c'était faisable, c'était accessible.
ça a évolué comme ça. Fait que là, Nirvana, Smashing Pumpkin, grosse influence. Harley Lee Peace, au drum, c'est une méga influence. C'est un idole, ce gars-là, pour moi. Mm-hmm. Oui, Dave Grohl, là, mais Jeremy Thurgood, Harley Lee Peace, une influence de cœur. Même affaire pour Jimmy Chamberlain, là, c'est vraiment des idoles, mais ça a évolué comme ça. Puis mon playing se tient pas mal là-dedans encore. Là, je suis encore dans 90, le côté playing. C'est plus énergie, la vibe. Puis, fait que c'est clair que ton playing fitait avec. C'est la bonne ouais. Vibe. Ouais. Ça nous prend. Oui, parce qu'on l'écoute, puis on sent les années 90. La vibe, le son, c'est la distorsion, tout est là, ça sonne. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un mouvement qui a influencé. Tu sais, je pense qu'il parle beaucoup aux jeunes, justement, tu sais, de ce mouvement grunge-là. Même encore, tu sais, comme, mettons, moi aussi qui a grandi dans les années 90, je suis tombé adolescent dans les années 2000, tu sais, puis à ce moment-là, même nous, on est encore capable de se refléter à ces bandes-là, puis c'était encore des bandes hyper populaires, puis je pense que c'est des bandes qui font du bien aux jeunes puis qui influencent vraiment beaucoup à ce moment-là parce qu'il y a tellement de recherches d'identité puis c'est tellement du monde qu'on que tu regardes ça a l'air d'être ça pourrait être ton chum juste en les regardant ça a pas l'air d'une rockstar c'est facile de relate à ces démons-là un gros clash avec ce qu'il y a eu avant justement l'époque des grosses rockstars les air metal les années 80, c'était dégueulasse quand tu y repenses je pense que c'est pour ça que ça était gros de même aussi parce que c'est, écoute c'était complètement à l'opposé de ce qui se faisait à ce moment-là puis ça. Ah, exact, exact. Puis comment que ça se passe un peu la composition maintenant là, dans le band, maintenant avec votre apport, toi qui s'en vient, que ça va être quoi ton apport aussi? Ben, en fait, c'est ça qu'on discutait l'autre fois. Nick est arrivé à un drôle de moment dans le band. On venait juste d'enregistrer notre nouveau EP avec Jack. Il n'était pas sorti encore, il n'était pas... Donc, c'est sûr que lui est arrivé à un moment où qu'on a un nouveau EP à promouvoir. On a des shows à faire pour faire connaître ce EP-là. C'est pas lui qui a su. Fait que pour l'instant, son rôle, ça a été un peu d'essayer de reprendre les chansons de Jack comme telles. Mais c'est sûr, écoute, il y a son style aussi à lui, c'est ce qui paraît là-dedans, puis c'est correct aussi. Mais à date, c'est ça. C'était plus d'essayer de rendre les chansons la meilleure façon qu'on pouvait faire tous les trois pour qu'ils ressemblent aux chansons originales qu'on a enregistrées. Puis je pense que là, ben, dans l'avenir, ça va être les moments plus créatifs qui vont commencer. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer aussi. On a commencé l'autre fois, on a essayé une nouvelle toune, de commencer des nouvelles parts de drum qui viennent de toi. Mais c'est tout nouveau, là. On commence, parce que c'est ça. Il y a eu quand même le stock existant à prendre, les deux EP, mais on a aussi plusieurs chansons au travers de ça qu'on joue en show qui ne sont pas nécessairement enregistrées, mais il y a eu tout ce matériel-là à apprendre. Fait que c'est ça. Puis normalement, en fait, la compo, comment ça se passe, c'est moi qui compose les chansons. Tu sais, la base, là, la mélodie, guitare, voix. Le chord. Exact. Je les envoie de quoi de vraiment basique. Je veux pas trop, justement, avancer les choses. T'es pas un dictateur. Non, mais c'est quand même mes compos. Tu sais, on compose pas en groupe. Je sais qu'il y en a qui le font. Nous autres, c'est pas quelque chose qui marchait pour nous. Non. Je pense que ça va bien comme ça. Fait que c'est ça. Je lui envoie la chanson déjà faite, mais dans une forme vraiment basique. Puis après ça, ben, ils travaillent là-dessus, ils font leur part, ils font leurs affaires. Ben, comme je dis avec Nick, c'est tout nouveau, on commence. Mais... Ça va s'en venir, Nick. Ça va s'en venir. Ça a déjà commencé. Là. On joue même une tourne en show là, qu'on a commencé à travailler. On l'a fait hier pour la première fois. Ça a bien été? Oui. C'était notre lancement, en fait, de notre EP, au Turbo House. Ah, nice. C'était cool, une belle soirée, c'était fun. Ah, bon, les maudits, yes, tu y es, la chambre, c'est sûr qu'il y a eu un imprévu. Bro, man! Non! Non, c'est une joke, c'est une blague. Mais non, c'est une belle salle, le Turbo. C'est tout le temps plaisant de jouer là. C'est bien situé, c'est le fun. Ouais, puis c'est pas trop gros. C'est que, même si c'est pas sold out, t'as pas besoin d'avoir 95 personnes pour que ça aille là. Effectivement, hier, il y avait pas 95 personnes, puis il y avait quand même une ambiance. C'était le fun, le monde était dedans. Puis, Non, c'est vraiment. C'est une belle salle à découvrir pour ceux-là
qui n'ont pas été encore, puis elle fait beaucoup pour la scène. Puis, puis ça sonne bien scène aussi, il faut le dire, parce que pas toutes les fois, on prend des salles, c'est quand c'est difficile. Puis là-bas, ben, je sais pas dans la salle, mais j'entends des bons commentaires, j'imagine, dans la salle aussi. Mais sur le stage, ça va bien, on travaille bien, on s'entend bien, c'est le fun. Ah, puis comment que ça s'est passé pour la nouvelle chanson, justement? Toi, tu t'es senti comment enfin de jouer une de tes compos avec eux? Ben, ça doit être différent. Il avait déjà fait un travail avec Jack sur cette chanson-là, mais tu sais, c'était vraiment... J'avais pas entendu la version, fait que j'ai comme... Et pas enregistré, pris, fait que c'est allé ailleurs. Fait que j'ai comme pris la liberté d'ajouter mes influences un peu, là, tu sais. Puis, faut le dire, là, vraiment là, la job que Jack a faite, ces deux premiers, là, le premier est un petit peu plus smooth. Le deuxième, il varge un peu plus, mais tu sais, pas varger dans le sens qu'il fait sport, varger dans le sens que tu sais, il s'accroche. Son playing est vraiment s'accroche, puis il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances. Il a fait un méchant job. Pour vrai, là, moi, j'ai écouté les tunes. Si je les ai pas écoutés 150 fois là, pour les monter, je les ai pas écoutés. Là, fait que ça a été une grosse job, mais heureusement, ça a bien donné parce qu'on a eu comme un break de quasiment 3 mois parce qu'Yves était parti pour le travail. Fait que moi, ça m'a donné l'occasion de pratiquer les tunes en masse. Quand on est revenu, c'était un jour, une semaine après, on avait un show. Puis ça commençait à prendre forme. Là. C'était vraiment bien. T'sais, c'est sûr qu'il y avait des ajustements. T'sais, moi, j'ai un style un petit peu plus énergique, que je frappe fort, puis c'est bruyant. Là. Jack est un petit peu plus posé, fait ça moins fort. C'est plus un petit peu plus technique, mettons. Fait qu'on n'a pas le même style là-dessus. C'est un ajustement. Mais, tu sais, moi, là, quand je finis un show, puis il y a du monde qui vient de me voir, souvent des gars chauds, ils viennent me voir, hey, toi, tu joues en tabarnak. J'en prends, j'en laisse, là, mais, tu sais, je me dis qu'il y a quand même une dynamique, tu sais, j'essaie d'apporter ma vibe, là, dans cette. Puis je pense que dans le band, dans le son du band, ma vibe, elle sonne bien. Quand on a joué à Trois-Rivières, l'autre fois, j'ai des chums, là, j'avais une dizaine de chums qui étaient là, puis il y en a qui sont venus me voir, c'est vraiment un band qui fit dans ton style. J'étais content, tu sais. C'est rare que tu trouves des musiciens puis un son qui va fûter dans ce que tu veux. Il n'y a pas trop de concessions à faire. Ouais, c'est ça. Surtout un band de compo. Un band de cover, c'était lequel, mais un band de compo, tu sais, c'est assez compartimenté. Tu sais. On va avoir un son, tu recherches un son. Je sais qu'il y a un son dans sa tête. Même faire pour Alex, il y a quelque chose qu'ils entendent, qu'ils veulent que ça sonne comme ça. Quand tu composes, tu veux que ça sonne d'une certaine façon. Puis moi, je suis sans même affaire pour le drame. Ben, t'sais, surtout qu'ils se connaissaient avant. Fait que déjà que la chimie était déjà installée. Ah, ben oui, c'est ça. Il y avait déjà quelque chose de construit. Ouais. Ouais. Fait que là, après ça, toi, tu veux fitter là-dedans. C'est ça. Tu sens piler sur ce que t'aimes. Fait que tant mieux si ça fit et que ça s'emboîte. Là, c'est cool. Mm-hmm. Ça doit être encourageant aussi pour vous deux de voir lui qui arrive puis que Chris, ça fit bien. Absolument. Son playing, peut-être justement, peut-être plus énergique, comme tu dis, que Jack va pouvoir vous amener aussi ailleurs. Tu sais. C'est sûr que ça donne un autre côté aux chansons. C'est ça, comme je disais tantôt, même si les chansons déjà enregistrées, il est fait tel quel, ils sont pas pareils quand même. Il y a une énergie qui est différente parce que c'est son énergie à lui. Mm-hmm. C'est vraiment correct comme ça. Sans rien enlever à l'ancien drummer, j'imagine qu'en show, de mon point de vue personnel, un drummer qui rentre un peu plus dans son drum, ça sort tout le temps bien en show aussi. C'est énergique. Ça rentre, ça fesse. C'est sûr, ça dépend de la salle. Regarde, l'autre semaine, on était joué à Tadoussac, puis le standard m'a dit « faudrait que tu joues moins fort ». Je suis comme fait, ouais, ça va être difficile. T'as-tu peur que je fasse peur aux baleines? C'est parce qu'il dit, si tu joues trop fort, le monde va tous s'en aller, ils sont pas habitués à ça. OK. J'ai commencé chaud un petit peu plus timide. Là. Je me suis dit, bon, à un moment donné, tu sais. Le naturel revient au galop. Ça revient, on se regarde, on a du fun. Hey, go! Oui. Puis en plus, c'est ça qu'il faut, c'est un show. Tu ouais, écoute, tout, ça, du rock. Ça m'était arrivé avec Urban. Il nous avait invités dans c'était comme un show d'Harley, mais finalement, il n'y avait plus. Fait qu'ils nous ont rentré dans le magasin. Fait qu'on jouait comme dans le showroom de Harley Davidson. Puis on était Urban hardcore, là, comme qui a du. Quand même qui bûche, tu sais. Puis on commence, on est comme, on fit pas ici, qu'est-ce qu'on calisse là? Puis là, à un moment donné, il vient voir, ouais, pourriez-vous baisser la guitare, baisser la basse? Est-ce que vous êtes capable de baisser le drum? C'est qu'on change de style, peut-être. C'est quand même.
Chris, il n'y a rien de Mikey là, sur le drum. Là, quand tu compenses ça, t'as marre. Ouais, c'est ça. Reculez-vous de 5-6 pieds. Il y a le gars assis là-bas là, qui demande c'est quoi votre rapport avec Mario Rock, votre lien avec Mario Rock. Ah, en fait, on a joué avec lui l'an passé. On a fait un show à Sorel au pub O'Callaghan. On avait eu bien du fun. Puis je pense que lui aussi, parce qu'on s'était dit qu'on remettrait ça. Puis là, ben, quand on a booké notre tournée estivale, on a regardé avec lui si c'était possible d'ajouter une couple de dates. Puis on a trois avec lui. Hier, d'ailleurs, le lancement, c'était lui qui faisait la première partie. Ouais. Puis, un autre à Drummondville, à la Sainte-Paix, à la fin août, le 24, je pense. Puis ouais, à Sorel, la semaine prochaine, au Bob O'Callaghan. Samedi prochain. Ouais. C'est quand même le fun, ça. C'est avec le fun. C'est dehors, en plus, qu'on va jouer, ouais, je pense. Ouais, dans le cadre d'un festival, le Gibb Fest. Ouais. C'est le nouveau festival de la Giblotte. Ah, je savais même pas. Oui, avant, c'était le festival de la Giblotte, puis ils ont changé de nom. Pour ça. Tout le monde dit Gibb Fest. Ah, c'est ça. Ouais, mais, okay. Moi, je pense que oui, mais tout le monde dit Gibb, mais ça sonne mieux que Gibb aussi, mais... C'est la Giblotte. Moi, je disais, mais ils ont changé de nom parce que le festival de la Giblotte, clairement que le nom a mal vieilli. Chris de la Giblotte. Fait qu'ils font, mais c'est cool, c'est ce qu'ils essaient de faire, mais c'est quand même weird. Je suis allé l'année passée voir Sucker Punch. OK. Puis c'est bizarre parce que le show était gratuit, c'était l'heure, c'était cool, mais t'avais comme tout le crowd plus jeune en avant, puis en arrière, t'avais tout le CHSLD en 2001, wow. Cordé dans leur fauteuil roulant, géniatrique. C'était vraiment un clash, t'avais ça, les préparez-vous. Enfin, puis les jeunes, puis t'avais le show. C'était vraiment éclectique, c'était bizarre. C'était cool, mais c'est vraiment bizarre. Puis Sorel, quand même, il y a de tout à Sorel. Ça fait ça vraiment un crowd bizarre, mais ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ils vont capoter quand ils vont voir Mario Rock. Ouais, c'est clair. Ouais, ils sont vraiment... Il est revenu! On a tout le temps du fun avec Mario. La gang et Mario, ils sont vraiment le fun. Ils font un bon show. Ah, son personnage est magique là, de Mario Bros. Tellement. C'est n'importe quoi. Puis c'est le fun qu'il continue à faire de quoi avec ce personnage-là, oui. Justement, qu'il n'est pas juste mort à la fin de l'émission, puis de tout ça, qu'il continue à avoir une vie, puis une vie Chris cool. Là. Oui, vraiment. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est même pas Mario Rock. Mario Rock? Dans le gros show. C'est quoi le gros show? Avec Mike Wilde. C'est vrai. Mario Rock, Kitten. Non. Mais non. Avec Poulie pis Chabot. Ah, j'ai pas de temps à écouter ça. Ouais. Peut-être si tu le vois, le personnage. Ouais, c'est un oui, ça me dit quoi, mais tu sais, j'ai pas vraiment écouté. Un génie de l'humour. En gros, là, Mario, il a un génie de l'humour. Ouais, ouais. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas genre, encore une plus grosse carrière, justement, en humour. Il fait de la musique aussi. Il enseigne à l'école de l'humour. Mais tu sais, comme sur scène, il aurait tellement plus gros, encore plus que ça, parce qu'il a un talent fou. Mais je me rappelle comme les shows de l'école nationale de l'humour, comme pour fêter, à un moment donné, il était là, puis il faisait juste comme un... il tapait sur quoi qu'un snare, puis là, il faisait de la raquette avec une balle, puis il chantait une tune, puis là, c'était les auditions, là, il imitait les auditions, puis tout le monde le niaisait, il le laissait pas partir, puis il a jamais lâché. J'étais comme, t'es bon, je vais aller voir ça, je vais m'intéresser à ce qu'il offre. Oui. Hier, vu que c'était notre lancement, ils ont décidé qu'ils lançaient un single, eux aussi. Okay. Ils ont juste lancé une tranche de fromage. Oh, j'aime ça, on lance un single. J'aime ça. C'est que c'est parfait. Comment que ça s'est passé un peu le studio pour, mettons, le deuxième EP, vu que vous étiez les deux dessus pour l'enregistrement de tout ça? Ben, très bien. C'était un gros projet. C'était avec Steve Albini à Chicago au Electrical Audio. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Là, c'était vraiment intensif. Là. C'était deux jours. En deux jours, on a enregistré cinq chansons. Donc, c'était vraiment... C'est de la job, hein? C'était carrément du live en studio. Là. On a fait ça vraiment la vieille méthode, là, les trois en même temps.
Puis on, c'est sûr, on a racheté une coupe d'overdub, une coupe de... Mais c'est sûr, on avait deux jours pour tout closer ça, là, avec le mixage inclus, puis tout ça. Ça devait être une belle expérience, aller là-bas, puis... Puis tu sais, il était vraiment super sympathique, puis... Je veux dire, il était super généreux de son temps, là, en fait. Il voulait vraiment s'assurer qu'on reparte avec un résultat qui nous satisfaisait. Là. Je veux dire, la deuxième journée, on a commencé à 10h le matin, on est parti, il était, je pense, 2h du matin, là, quasiment. Il était supposé finir vers 10h le soir environ. Puis à un moment donné, je voyais que le temps avançait. Puis je disais, ah, tu sais, on devrait peut-être laisser faire telle chose, parce que là, on n'aura pas le temps de mixer. Puis il me disait tout le temps... que t'as pas fait ce que vous voulez faire vraiment, qu'on va prendre le temps. Finalement, le gars est resté avec nous jusqu'à 2h du matin. Puis il était vraiment pas obligé, tu sais. Puis il a une grosse carrière, il a une grosse... T'sais, il pourrait tellement pas se soucier de ça, puis de faire ce qu'il avait à faire cette journée-là, puis that's it. Mais non, il est allé... C'est ça qu'il avait à faire. Oui, je pense, parce que c'est vraiment... Il y a vraiment une éthique incroyable, une éthique de travail incroyable. Oui, c'est ça, tu sais... On sentait pas, parce qu'on s'entend que comparativement à certains projets qu'il a fait, nous, on est minuscules, on est tout petits. Puis on sentait pas ça, tu sais. On sentait qu'il était investi de la même façon que comme si on était Nirvana ou les Pixies. C'est important, je pense, justement, que le monde se sente comme ça. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, avec le podcast, on m'a déjà demandé, comme en entrevue, si on, c'est quoi qu'on checkait pour le monde qu'on invitait. Puis j'étais comme... Ben, t'as un band. Sois fin. T'as un band, ça veut dire que t'as quelque chose à dire. Ouais, ben, écris-moi. Ouais. C'est la seule affaire. C'est si vous avez quelque chose à dire, t'as parti un projet, t'as quelque chose à dire, ben, viens partager ton message. On est là pour ça. Si on démarre, on va avoir du fun. Plus, hein? Ouais, oui, oui. Tabarnak, quand ils arrivent, t'es tout équipé, colis. Les cheveux de la même couleur. Mais, tu sais, c'est ça, le nôtre. Critère, c'est juste soit passionné, puis il vient nous jaser, ça va nous faire plaisir. T'sais. Exact. C'est ça qui est important, puis ça me fait rire, justement, ceux-là qui vont s'arrêter à ça, puis tu sais, c'est qu'il y a tellement de bons talents qu'on s'empêche de découvrir, justement, parce que, Marcus, il n'y a pas beaucoup d'écoute, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des affaires que, mettons, Fais ça simple qu'on avait reçu sur le podcast, qui avait pratiquement, tu sais, vraiment pas de followers, tu sais, puis... Mm-hmm. Ben, une tonne de briques, ce ben-là. Puis c'était comme... Deux gars, tu sais, qu'on n'a jamais entendu parler. Puis finalement, Chris, c'est deux hosties de beaux humains qui ont vraiment de quoi à dire. Puis c'était fucking intéressant. Puis lui, t'es comme, mais je comprends pas quoi que vous êtes intéressé à nous autres. Mais ben, c'est un ben, man, c'est tout. Man. Mm-hmm. Ouais, puis c'est tellement trompeur, anyway, les followers. Mm-hmm. Tu peux pas te fier vraiment. Des fois, on voit des bands, tu sais, qui ont... des milliers de followers, puis on se dit... Hey, mais il y a deux likes sur ses posts. Exactement, ils font des posts, puis ils ont moins de likes que nous, tu sais. Fait qu'on tient... Faut pas, exact. Mm. Puis ça a dû vous en apprendre beaucoup aussi d'aller travailler avec lui, justement une éthique de travail différente. Vraiment. Une méthode de travail. Oui, c'était très, très formateur. En plus, c'est ça, tu sais, moi, justement, je fais un peu d'enregistrement chez nous, puis... Donc, je me suis dit, c'est une bonne occasion d'observer, de regarder ce qu'il fait, d'apprendre, tu sais. Fait que je regardais bien toutes les étapes, tu sais, quand il micait, quand il... Puis j'essayais de pas trop être dérangeant, tu sais, de faire ça un peu en retrait. Puis au contraire, lui, il me disait, hey, si t'as des questions sur ce que je fais, gêne-toi pas, si tu veux savoir, c'est n'importe quoi. C'est il était vraiment open, il était vraiment généreux, puis c'était cool. Mm. Ah non, mais c'est le fun, puis ça donne aussi l'impression qu'il croit au projet, vraiment. Absolument. Il nous a fait sentir important, il nous a fait sentir que notre projet était important. Puis je pense qu'il aimait ça, là. Tu sais, je veux pas, parler pour lui, mais oui, il nous a dit quelques commentaires qui laissent croire que je pense qu'il a quand même apprécié avoir travaillé avec nous. D'ailleurs, quand on est parti, la dernière chose qu'il nous a dit, c'est qu'il était open à refaire de quoi dans le futur. Puis, oui. Prends ça en note, mon gars, ça veut dire que. Non, non. Malheureusement, il est décédé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça sera pas possible. Ouais. Le fait que, aussi, peut-être, c'est dans sa façon d'être, mais si il vous met à l'aise de même, vous êtes moins stressé. Ah, je m'excuse, je manque de rigueur. D'habitude, je fais pas ça. Non, mais là, t'es rendu lazy. Oui, c'est ça. J'ai rendu une estime lâche. Tu sais, vous êtes à l'aise. Fait que vous êtes moins stressé, fait que ça coule plus, il y a moins justement peut-être d'accrochage, fait que ça fait un meilleur même si vous avez tiré le temps, vous êtes plus efficace dans le temps que vous êtes là. Ouais.
Oui, je pense que oui. Puis peut-être aussi, je sais pas quel âge qu'il avait, là, mais tu sais. 61. Fait qu'il était jeune. Ouais, quand même. C'est peut-être juste quelqu'un de relax. Peut-être qu'il avait rendu à l'âge, je voulais pas se fâcher puis être stressé non plus. Mais c'est peut-être juste dans sa façon d'être aussi. Ouais, ouais, je pense que il était quand même très relax, justement, quand on a fini à 2 h du matin. Puis là, il a comme fait, OK, là, il est tard, faut que j'y aille, tu sais. Mais nous autres, on avait tout notre stock de monter encore. Fait qu'il dit, bon, il dit, moi, je m'en vais, je vous fais confiance, vous barrez la porte en partant. Puis il nous a laissé au Electrical Audio. Tout ça. Si on avait voulu, on aurait pu se retaper un deuxième EP d'ennui. Mais là, non, on a bien fait ça. On est parti. C'est une belle marque de confiance, justement. Oui, oui, ouais. Oui, exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Puis non, je peux dire qu'on a regardé la porte comme 8 fois. Exact. Mm. Ben, hey, ça, on a déjà notre temps, quasiment. Ben, avec le petit bout de prestation, là, c'est ça, on arrive. On va s'aligner vers votre petite prestation. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu des chansons avant que vous vous installiez. Oui, en fait, on va faire une chanson qui s'appelle N'importe où, n'importe quand, qui est sur le premier EP, puis que vous pouvez entendre ces temps-ci sur plusieurs radios, dont Choix Radio X à Québec. Elle tourne à toutes les semaines. Deux, trois fois. C'est hot, ça. C'est hot, ouais. Un beau feeling de l'entendre, entendre sa musique à la radio la première fois. Vraiment, surtout que la première fois qu'on a appris qu'elle passait, ça s'est fait comme on peut imaginer dans un film. Là. On mangeait de la pizza chez nous, en gang, la radio jouait, puis la toune est partie. Hey, c'est nous dans Boîte à son! Ouais, fait que là, on a toute une réaction... de surprise, puis on était bien contents. Mm-hmm. Fait que c'est ça, on va faire cette chanson-là, puis on va faire aussi... on en fait trois, finalement. Trois, oui. Varsovie, qui est une autre chanson sur le premier EP, qu'on fait pas assez souvent live. C'est pour ça qu'on s'est dit... Parce que c'est une chanson quand même tranquille, qui se prête moins à certains shows qu'on fait, mm-hmm. qui sont plus rock. Mais qui se prête bien à l'occasion. On s'est dit que c'est une bonne occasion aujourd'hui, oui. Très cool. Puis on va terminer avec une chanson du nouveau EP, bien sûr, parce qu'on sort notre nouveau EP, il est sorti hier. Fait que c'est la chanson titre du EP, qui s'appelle « Mon ombre ». All right. Cool. On a hâte d'entendre ça. On va aller en musique le temps que vous vous installez, puis on revient, ceux qui sont sur Twitch, avec Fin en prestation. All right. Thank you.
j'ai décidé de m'en aller. Je peux plus rester. Avant de tout abandonner, je vais prendre le temps de bien penser à ce que je veux apporter. Mon passeport, ma guitare, mon pack-sac, mes trésors et une photo. De toi. Je vais inventer toute une histoire. Je vais laisser une scène maquillée pour laisser croire que je suis mort. Pour laisser croire que je suis mort. Je vais embarquer sur mon vélo. Je vais me rendre jusqu'à l'aéroport. Je vais m'acheter un billet d'avion pour la Pologne comme ça, sans raison autre que fuir la maison. Je vais m'installer à Varsovie. Je vais me faire plein de nouveaux amis. Je vais jouer de la guitare dans un groupe rock polonais. Je vais jouer des chansons que je connais. Mais dans une autre vie, à Varsovie. Puis le reste, tout le reste, je l'oublie. Puis le reste, tout le reste, je l'oublie. Puis le reste, tout le reste, je l'oublie. Dans ma nouvelle vie à Varsovie. Alors on va terminer avec une chanson qui s'appelle Mon ombre. Que tu l'entendes. Si seulement tu savais ce que je vis seul dans mon monde. Peut-être que tu comprendrais ce que je suis, ce que je fais. Peut-être que tu remarquerais que tu ne connais que mon ombre. Que mon ombre, mon ombre.
je partageais, pouvoir enfin te montrer autre chose que mon ombre. Bon, all right, bien sûr, merci, c'était super bon pour de vrai. Ça, ça amène une vibe super cool, l'acoustique, pour de vrai, à ce que vous faites, pour vrai, c'est vraiment différent, en tout cas, ouais, vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé sur le podcast. Je sais pas si vous avez des petites affaires que vous voudriez plugger avant qu'on... Ben justement, ceux qui ont aimé les chansons en version acoustique, on va les faire, on fait un show complet version acoustique à l'Orbite à Montréal le 17 août, c'est-tu bien ça, le 17 août? C'est ça, oui. Le 17 août. Donc, puis plusieurs autres spectacles là, en formule full band rock. Juste à regarder nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez écouter notre nouveau EP qui vient de sortir hier aussi sur Bandcamp ou n'importe quelle plateforme de téléchargement. Merci. Et félicitations pour votre sortie d'hier, puis merci d'être venu encore une fois. Tout le monde, on vous revient pour la dernière heure avec la formation Pace. Non, pas trop long, OK? All right. Même si on est 10 minutes de retard, c'est pas grave, on défonce, c'est les derniers! Yeah!